Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-clés avec du plastique fou. J'ai acheté un paquet de plastique fou qui se compose de 7 feuilles. Je mettrai les références dans la barre d'infos. Je vais utiliser mes crayons Caran d'Ache. Je vais utiliser une attache pour porte-clés et différentes breloques. Si je prends ma presse à tampon et je vais tamponner sur une feuille blanche deux fleurs en noir. Après, je scotche ma feuille sur mon plan de travail et je vais scotcher ma feuille de plastique fou, la partie mate devant pour que je puisse colorier, et je scotche ma feuille. Et après, je prends mon marqueur indélébile et je vais tracer le contour de ma fleur. Je prends deux roses et un rouge et je vais colorier ma fleur. Puis après, je vais découper le contour de ma fleur. Avec ma perforatrice, je réalise un trou. Je prends un morceau de papier cuisson et après je vais chauffer ma fleur avec mon heat gun. Vous pouvez aussi faire ces étapes au four. La fleur est bien plate, je mets un livre dessus. Voici le résultat. Pour finir, je monte ma création sur un porte-clés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à me donner vos avis dans les commentaires. En cliquant juste ici, je vous invite à vous abonner et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!